C'est tout mon ordre, je viens simplement jouer à Criminal Case, c'est parti! Ouais, youpi, j'ai eu 10 énergies gratuites! Regardez, je suis à 129 sur 110, comment c'est possible, hein? Et je m'en fous de ta pizza! Enquête numéro 2, un cadavre dans le jardin, c'est pas le thème. Officious Rooms Connect, un homme appelé Dave Simon déclare avoir vu des membres humains dans un jardin à l'abandon. Enquêtez et tirez cette affaire au clair le plus rapidement possible. Go, c'est parti, qui s'écarte le plus vite possible. Alors la main, où elle est la main, on s'en fout, il faut quoi la main, pot de peinture, ballon de foot est juste là. Pomme, elle est où la pomme, elle est donc, bon alors, vaut même pas qu'on finisse ta phrase. La clé, elle est où la clé, on s'en fout, le flingue, il y a un flingue, non il y a pas de flingue. Sac à dos, il est où le sac à dos. Mais t'es nul, voilà il est là, le sac à dos, c'est pas possible. Le pot de peinture, l'autre pot de peinture. Il est là le pot de peinture. Oh là là, vraiment t'es un officier de merde. Là, la clé elle est juste là. La main elle est où la main? La main, oh c'est une main quoi. Une main, mais tout le monde trouve. Voilà, elle est là la main. La pomme elle est où la pomme? Hein et... Quoi? Mais je m'en fous. Je m'en fous, je veux la pomme moi. Elle est où la pomme? Mais non, la pomme quoi, la pomme. Oh mais je suis. Ah mais elle est devant moi, elle est devant moi. C'est juste qu'elle était mangée, c'est pour ça que j'ai pas reconnu la pomme. Oh là là, j'ai fait combien? Non, c'est nul ça. Ouais, bah c'est nul hein. Oh là, mais c'est quoi ce score? Oh là là, mais quel score de. Oh là là! Je m'appelle Dave Simon. J'ai appelé la police dès que j'ai vu la main dans le jardin. Vous avez bien fait, restez dans les parages. Officier Shrooms, connectez-moi. Nous allons voir si nous trouvons le reste du corps à l'intérieur. Go! C'est parti, on est chaud patate, les gars. Alors, corps de la victime. Bah, le corps de la victime est juste là. Le bol de céréales, il est. Il est pas là. Oh, mais je m'en fous de ton corps là. Alors, liquide enflammable, vêtements victime. Là, le bol, il est là. Truc enflammable, pourquoi? Si, short, le short il est juste là. Liquide inflammable, c'est quoi un liquide inflammable? Je sais, moi, ça y est ça? Non, ça y est pas. Ah, mais qu'est-ce que tu me dis là, vêtements? Vêtements de la victime, genre ça, moi, où il est sans le vêtement de la. C'est là le. Ah, c'est ça les vêtements de la victime? La scie, elle est là, la scie. Mais je m'en fous de tes vêtements! La scie, elle est juste là, liquide inflammable. C'est quoi le liquide inflammable? C'est ça là? Attends, allez, oh. Ça, c'est du parfum ou c'est liquide inflammable? C'est pas du liquide inflammable. Il est où ton liquide? Il est là, le liquide inflammable! Voilà, on a fait du x2, bah c'était nul, hein. Oh là 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 là! On est vraiment pas bon, hein. Oh là là, bon, allez, voilà, on s'en fout de ton inachien, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du score? On est bon ou on est pas bon? Ouais, c'est pas encore ça, hein. On a même pas encore fait les 400, dis donc. Oh là là là, mais quelle nullité! Excellent travail, officier! C'est certainement le reste du corps de notre victime. Il faut qu'on l'envoie au labo pour autopsie. D'après sa carte d'identité, notre victime s'appelait Ned Dillard et il était courtier. On devrait examiner de plus près ses vêtements et aussi la bouteille de liquide inflammable que tu as trouvée près de la baignoire. Cette scie est bel et bien l'arme du crime. Beau travail, Shrooms Connect! Nous avons déjà bien avancé dans cette enquête. C'est parti pour l'autopsie, 25 minutes! Ok, non, j'ai pas envie de payer 1€ pour que ça soit immédiatement, tête de... hein. On va faire d'autres missions en attendant. Espèce de grand malade mental. Alors juste comme ça les gars, donc on va sur le kit médico-légal, voilà, donc pour examiner des trucs, hein. Donc on examine ça et là il me dit que j'ai pas assez d'étoiles. Et en fait le délire c'est qu'il faut que je joue pour justement gagner des étoiles et du coup bah voilà, pouvoir faire d'autres trucs et tout, ah c'est génial. Allez c'est parti les gars, on va procéder autrement parce que bon j'avoue que tout à l'heure, voilà, c'était pas non plus... Ah la main elle a disparu, t'as vu la main elle a disparu? Ah là c'est différent, il y a couronne et tout ça, donc couronne c'est ici, cible c'était vers là-haut, voilà, donc c'est là-haut, marteau c'est où? Marteau c'est juste là, pot de peinture juste, je sais pas, il y a corbeau aussi, corbeau c'est vu par terre je crois, non, c'est pas, c'est où, c'est là-haut corbeau, c'est là-haut corbeau, il y a le boomerang, il est où le boomerang, il est juste là le boomerang, le corbeau, donc on va faire corbeau, on va faire, non c'est pas ballon, c'est couronne, il n'y a pas la clé. Donc on va mettre le marteau. Le pot de peinture, il est où le pot de peinture? Tu vas me dire que j'ai pas trouvé le pot de peinture quand même. Si, il est juste là le pot de peinture, il y a la cible aussi, il y a la cible. Le petit boomerang. Et puis on a fini les gars, on a du x4, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, donc c'est mieux de faire comme ça. Au moins on gagne un petit peu plus de points j'espère. On va voir un petit peu ce qu'on gagne. C'est plus pourri que tout à l'heure. Donc au final c'est peut-être pas mieux d'attendre. Ah je sais pas. Bon bah ouais, on fait comme on peut hein. Bon. En attendant on a eu notre petite étoile et ça fait plaisir. Bon bah voilà, maintenant on peut examiner ce fameux liquide. Qu'est-ce que ça donne? Attention déjà ça nous prend une étoile. Ah c'est pas bien ça hein. Alors apparemment on a une petite énigme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Décoder. Ok donc hop. Ça passe ou pas? C'est allé, mais je suis un VG. Non, il n'y a même pas besoin de réfléchir, gros.
Et bah voilà, c'est pas compliqué, hein. Non mais franchement, je te jure, non mais c'est trop simple ton truc, de toute façon. Non mais de toute façon, j'ai jamais vu un truc aussi simple, hein. Voilà, donc j'ai gagné 7 petits, je sais pas comment ça s'appelle, ça fait plaisir, ça fait plaisir. La vente de produits chimiques inflammables est strictement réglementée. Maintenant qu'on a le code barre complet, on peut savoir où cette bouteille a été achetée, voyons voir. Elle provient d'une supérette du coin et je connais le propriétaire, il s'appelle Joe Stern. Allons lui parler, Shrooms Connect. Ouais, c'est parti les gars, cette fois-ci on fait mieux, cette fois-ci on fait mieux. Donc le rasoir électrique est juste là, chaussette blanche, elle est juste où? Elle est juste... rasoir électrique, tasse de café, là, elle est juste là-haut. La part de pizza, on l'a pas, livre. Ah, je sais pas, bon, on va mettre la chaussette. La chaussette, s'il te plaît, merci. On va mettre ça, est-ce que le bol il est là? Oui, le bol de céréales il est là. Après, il y a quoi? Il y a... Ah, c'était là, juste là, truc de café, cigarette, c'est là. Le livre, il est pas loin. Il est pas loin, le livre, allez, il est où? Ah, il est juste là, le livre. Oh, j'ai eu du x5, les gars. J'ai eu du x5, ça fait plaisir. Ça, c'est bon, ça. 470 000, mais ça, c'est bon, ça. Tu vois, ça se fait plaisir, tu vois. Voilà, on fait 470 000 comme ça au KLM, ça fait plaisir. Vous avez débloqué un niveau bonus en gagnant 2 étoiles dans cette enquête. Le petit niveau bonus, c'est parti. Eh, c'est parti, les gars. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je sais pas du tout, hein. J'ai envie de te dire, voilà, c'est... C'est assez compliqué, est-ce qu'on peut faire ça? Ah, on peut faire ça, effectivement. Bah non, on va plus faire ça, en fait. C'est plus logique. Ce qu'on va faire ça, voilà. Intéressant, on va peut-être faire ça, voilà. On va faire ça aussi, pourquoi pas. Et bah voilà, c'est pas compliqué, fois 6 en plus, ça fait plaisir. Hein, tu m'as compris, quoi, tu m'as compris? Oh, j'ai fait du parfait, mon gars, sérieux? Waouh. Alors, ça donne quoi? Ah, j'ai pas eu d'étoile, dommage. Mais en attendant, ce niveau bonus est plutôt pas mal et ça fait plaisir. Bon les gars, on va parler à Joe Stern. Oui, cette bouteille vient de mon magasin, et alors? Écoutez Joe, vous devez nous dire qui a acheté cette bouteille. Cette personne a commis un meurtre quand même, hein? C'est pas rien mon petit. Attendez, vous ne croyez tout de même pas que je note le nom de tous mes clients? Si? Il y a des dizaines de gens qui viennent ici chaque jour. Quand tu que je fasse, tête de con. Vraiment? Eh bien, officier Shrooms Connect va faire un tour dans votre magasin. On va voir s'il y a d'autres choses intéressantes que vous avez oublié de noter, hein, monsieur? Allez, c'est parti, les gars, cette fois-ci, on est chaud. Alors, lunettes de soleil, c'est parti où? Le soleil, j'en sais rien, c'est là-bas, ok, je sais pas du tout. 911, c'est quoi 911? Qu'est-ce que tu me dis, toi, 911, toi? Mais qu'est-ce que je trouve 911? Agenda, c'est quoi agenda? C'est quoi agenda? C'est quoi agenda? Ah, il est là, 911. Agenda, je sais pas, c'est là? Non, c'est pas celui-là, ça. Écran de télé, il y a écran de télé, il y a ça là-haut. Il y a l'agenda juste. Non, il y a le 911 juste là. Après, il y a du rat. Il y a le rat. Non, il y a pas le rat. Bon, la clé, les clés, juste là, ok. Sac de poubelle. C'est facile à trouver un sac poubelle, franchement. C'est ça le sac poubelle. Agenda, c'est où, l'agenda là? Mais je m'en fous de ton truc, je veux l'agenda, moi. Là, c'est ça l'agenda, nickel, lunettes de soleil, c'est où les lunettes? Ouais, c'est pas loin. C'est... Non, attends, hey, oh, tu vas pas me dire que je vais mettre 2 ans à trouver des lunettes de soleil, s'il te plaît, c'est où les lunettes de soleil? Ah non, je trouve pas les lunettes de soleil, j'y crois pas. Si ça se trouve, ils sont juste devant moi. Mais pourquoi je trouve pas des lunettes de soleil? Ils sont juste devant moi en plus, c'est vrai, oh là là. Mais pourquoi je suis aussi con? Ah là 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 là, c'est le stress total ce délire, c'est le stress total. Bon, on a fait que dalle. Voilà, voilà, non, je dis, on a fait que dalle. Tu vas très vite te rendre compte que les choses suspectes finissent toujours à la poubelle, Shrooms Connect. Jetons un œil à ce sac poubelle. Ok, alors qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher quelque chose, je sais pas, je comprends pas. Là 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 là. Mais quand tu veux chercher aussi vite, Momtei? Allez, plus vite, tête de con. Mais tu mets plein de machins aussi dans le délire là. Allez, allez, oh, j'ai trouvé quelque chose, mais j'ai eu gagné 5 machins, quoi, c'est dégueulasse, ça. Ah, ils mettent 2 ans à chercher quelque chose, là, t'es pas pété, putain. Bingo, le ticket de caisse tu as trouvé dans la poubelle est une mine d'informations, Shrooms Connect. Waouh, comme par hasard, ils trouvaient le seul ticket de caisse qu'il y avait dans la poubelle qui, comme par hasard, correspond à ce qu'il faut. Regarde, on peut y avoir l'achat d'une bouteille de liquide inflammable, comme par hasard. L'achat d'une scie, comme celle que tu as trouvée dans la salle de bain, comme par hasard. C'est vrai qu'on vend vachement des scies dans une supérette, hein. Oui, oui. Et encore mieux, le ticket de caisse nous indique que cette même personne a aussi acheté des pansements. Waouh, on sait jamais, au cas où qu'il se coupait la main avec sa scie, on sait jamais. Tu as raison, il est évident que le tueur ne les a pas achetés pour sa victime. Ce qui veut dire que la personne qu'on cherche porte un pansement. Waouh. Je m'appelle Dave Simon. La personne qu'on cherche porte un pansement. Un pansement. $700,000 pour obtenir la prochaine étoile. 700 000 points.
Bon, bon, voilà, c'est la fin de la vidéo, donc bon, on a plus d'Harry Potter, et puis on a plus d'étoiles pour examiner des choses, donc voilà. Je pourrais très bien utiliser une bouteille ou un truc comme ça, ou des nourritures, je sais pas quoi, là, pour essayer d'avoir un peu plus de d'Harry Potter, mais j'ai pas envie, voilà, je fais ce que je veux, ok. Voilà, donc on continuera dans une autre vidéo, donc à un autre moment, voilà, chaque chose en son temps, et puis voilà. Donc moi, je vais vous laisser sur ce, je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.